Suman! Suman, ça va? Suman. Que t'est-il arrivé? Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Suman, réponds-moi, que s'est-il passé? Et comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici? Suman, je t'ai posé une question, alors réponds-moi, que s'est-il passé? Dis-le-moi! Suman... Qu'est-il arrivé à ma fille? Madhur Singh, je viens de te demander ce qui est arrivé à ma fille, réponds-moi! Je viens de vous poser une question, alors répondez-moi! Suman, que s'est-il passé? Est-ce que tu veux bien me répondre? Écoute-moi, Sumitra! Tu vas emmener Suman de sa chambre. Non. Suman n'ira nulle part. Suman, dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ce ne sont pas tes habits. Que t'est-il arrivé, Suman? Qui était l'homme avec toi? Suman, est-ce que quelqu'un va se décider à me dire ce qu'elle a? Que lui est-il arrivé? Monsieur Lohasing, racontez-nous toute l'histoire. Écoutez, docteur. Votre fille, Suman, est follement amoureuse de mon neveu Madhur. Je peux comprendre, c'est sa naïveté. Et mon fils aîné a essayé d'abuser d'elle, mais il n'a pas réussi, je vous assure. Où est-il? Dites-moi où se cache cette ordure! Je peux comprendre que vous soyez très en colère. Docteur, je peux comprendre ce qu'un père doit ressentir dans une telle situation. Mais vous devez juste vous dire qu'on a réussi à éviter le pire. Je suis intervenu avant qu'il ne soit trop tard. Et votre fille est saine et sauve, ne vous en faites pas pour ça. Même si cette ordure est votre fils, je ne l'épargnerai pas. Je vais l'envoyer derrière les barreaux. Ne vous faites pas de soucis, docteur. Je peux vous en faire la promesse. Que mon fils paiera cher pour l'erreur qu'il a commise. Si vous pensez que c'est la prison qu'il mérite, alors... Dans ce cas, c'est là-bas que je l'enverrai, docteur. Monsieur l'agent, je pense que mon fils est en haut dans sa chambre. Vous pouvez l'arrêter et l'emmener au poste. Allons-y. Vous pouvez utiliser la force si c'est nécessaire. Emmenez-le au poste et donnez-lui une telle correction qu'il réfléchira à deux fois avant de récidiver.
Est-ce que vous avez complètement perdu la tête? M'arrêter dans ma propre maison, vous savez qui je suis? Laissez-le! Je me vengerai! Hey! Je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça! Laissez-moi passer! Comment as-tu osé faire ça? Mais pour qui tu Docteur, prends, calmez-vous! Hein, calmez-vous, ça suffit! Tout le monde se calme! Qu'est-ce calmez-vous, que docteur! Attendez, attendez! Vous mais qu'est-ce que vous faites? Il n'a rien fait de mal! Il n'a rien à se reprocher! Il est hors de question qu'il s'en aille! Je ne pars pas d'ici. Vous, le vieux! Dites-moi qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? Évite de te mettre en travers de ma route, Jamuni. Tu n'es qu'une moins que rien ici. Ron DJ, dis-moi, comment je vais faire pour vivre sans toi? Jamuni, tu dis n'importe quoi. Tu es stupide ou quoi? Écoute-moi, je serai libéré dans quelques heures au plus. Et même si le vieux essaie de montrer qu'il est courageux et pleura comme une petite fille quand j'aurai décidé de le réduire en pièces, et ça, je te le promets. Regarde un peu dans quel état tu es, Ron DJ. Tu ne vaux même plus la peine qu'on s'intéresse à toi, mon pauvre. T'es pire qu'un clochard. Tu pues comme une mayonnaise qui a détourné. On l'emmène d'ici. Quoi? Et le vieux? Vous... Allez, oust! Tu n'es rien de plus qu'une maîtresse pour Ron Vijay. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Tu veux que je t'explique ce que c'est qu'une maîtresse? Je ne veux plus entendre un mot de plus. Je tiens à vous présenter mes excuses, docteur. Mon fils a commis une énorme erreur et on ne peut pas la lui pardonner. Écoutez, monsieur Loha, je ne peux pas réfléchir pour le moment sur qui a tort ou qui a raison. Pour l'instant, je suis juste inquiet pour ma fille. Chamli? Maman? Oui, Chamli. Oui, dis-moi où est-ce que tu es? Tu es bloqué à Bahargan? Bon, très bien. Non, ne t'inquiète pas. Je suis déjà arrivé. Oui, Suman. Suman est avec moi, ne t'inquiète pas pour elle. Bien, mais dépêche-toi, j'ai vraiment besoin de te voir. D'accord. Inspecteur, vous pouvez emmener ce type en prison. Je viendrai au poste plus tard pour remplir les formalités. Il sera sûrement puni pour son crime. Tu es devenu fou, quoi. Toi, docteur, tu perds rien pour attendre. Avancez. Ouvre ta porte, enfoiré. Avancez. Je vais me venger, t'entends? Arrêtez. Bougez. C'est du n'importe quoi, je suis dans ma maison. J'ai demandé d'avancer, allez-y. Ron Vijay. Écoutez, monsieur Loha, tout ce qui s'est passé ne serait pas arrivé si ma fille ne s'était pas enfuie. Alors je voudrais m'excuser auprès de vous tous de sa part. S'il vous plaît, je vous prie de ne pas trop lui en vouloir. Maintenant, on doit y aller. Allons-y. Si le docteur part d'ici maintenant, la mère de Suman, Malali, ne va pas arriver jusqu'ici. Ça serait vraiment trop bête. Non, non. Je dois trouver un moyen. Il faut que le docteur et sa fille restent ici encore un peu. La tradition de notre famille veut, docteur, que tous nos invités soient traités comme des dieux. Donc vous ne pouvez pas partir sans être accueillis comme tels. Vous comprenez cela, docteur? Sinon, nous allons faillir à notre devoir. Écoutez, monsieur Loha, je ne peux pas vous retenir contre votre gré, mais je peux quand même vous demander cette faveur. Si vous pouviez rester encore un peu, vous me feriez énormément plaisir, docteur. Ron Vijay, mon fils a commis un crime crapuleux. Et je me sens coupable de ce qu'il a fait. Dites-vous qu'en acceptant ma requête de rester un peu parmi nous,
vous m'offrez une chance de me racheter. Je ne comprends plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut avoir en tête? Je me demande à quoi il joue au juste. Sumitra, t'es là? Oui. Va préparer une collation pour nos invités. Et toi, Reka, tu peux emmener Suman dans ta chambre. Vas-y. Shekar? Shekar, c'est toi? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Est-ce que tu as peur ou quoi? Mais regarde un peu par ici, voyons. C'est moi. C'est Jamuni. Est-ce que tu te souviens toujours de moi? En fait, je suis venue t'apporter une bonne nouvelle. Figure-toi que Talali, elle nous a appelés. Lali a appelé? En fait, elle voulait nous dire qu'elle venait ici pour te rendre visite. Lali va venir? Mais oui, puisque je te le dis. Lali arrive. Lali... Mais attends, écoute-moi un peu avant de t'en aller. Tu ne pourras pas lui donner ton beau bouquet tant que tu ne la verras pas, ta Lali. Et pour être honnête avec toi, Shekar, Lali a été dans la forêt et elle s'est perdue. Et elle a besoin de ton aide pour s'en sortir. Et puis, tu le sais aussi bien que moi. Il y a des lions, des tigres et toutes sortes de dangers en forêt. Alors si tu ne cours pas immédiatement à son aide, tu risques de ne plus jamais pouvoir la revoir. Non, il n'arrivera rien de mal à Lali. Je vais la sauver. Il faut que j'aille la sauver. Ça va aller. Il faut que j'aille la sauver. Allez, fais vite. Il faut que j'aille la sauver. Dépêche-toi, cours. Attends, Lali, j'arrive. Plus vite que ça. Cours, dépêche-toi, plus vite que ça. Plus vite. Regardez ça. On dirait que le fou du vieux est parti pour de bon. C'est génial. Attends, Lali, j'arrive. Je viens te sauver. Essayez d'y réfléchir un peu calmement, inspecteur. Hein? Vous m'enlevez les menottes des poignets, et vous et tous vos petits amis recevrez de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a, Ramcharan? Il s'est évanoui. Bon alors, mets-le dans la voiture, on l'emmène à l'hôpital. Eh bien, Shekar, qu'est-ce que t'as dans la main? C'est une photo de qui? Allez, Shekar, fais voir. Ce taré a une photo de Lali avec lui. Pourquoi s'est-elle fait prendre en photo en portant un sari comme les femmes riches? Je l'ai jamais vu habillée comme ça, moi, à la maison. D'ailleurs, je l'ai jamais vu du tout habillée comme ça.
quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Lali est supposée être morte. Pourtant, quand Lali était encore en vie, elle n'a jamais fait cette photo. J'en mettrai ma main au feu. Donc où cette photo a été prise? Et il y a autre chose qui me trouble. Comment la photo s'est-elle retrouvée avec ce débile? Existe-t-il des copies de la photo originale? Je crois qu'une petite enquête s'impose. Papa, je sais que j'ai commis une erreur. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je suis amoureuse de Madour, tu sais. C'est ça que tu appelles l'amour? C'est ça? Ce n'est pas de l'amour, mais un caprice. À ton âge, tu devrais penser à tes études. Papa... Ça suffit! Je ne veux pas entendre un mot de plus. Imagine que cela avait été quelque chose d'horrible. Qu'aurais-je dit à Shyamli? Papa, je veux te demander pardon. Pardon? Si seulement, ce simple petit mot pouvait tout changer. Pardon. Très bien, Suman, je te pardonne. Mais... Et Shyamli dans tout ça? Shyamli a sacrifié 7 années de sa vie pour pouvoir t'élever, tu le sais, non? Juste pour ton bonheur. À la moindre plainte, elle aurait accouru à tes côtés. Pour t'éviter de faire face à des problèmes. Et pour que tu puisses être comblée, elle a toujours fait tout ce qu'elle a pu pour toi. Elle veut vraiment que tu sois heureuse. Et en retour, qu'est-ce qu'elle obtient? Tu n'as donc pas pensé à elle un seul instant? Papa. Non, Suman. Non. Cette femme a fait beaucoup d'efforts pour notre famille et pour chacun d'entre nous. Après que ta mère ait quitté ce monde, c'est Shyamli qui a pris soin de toi. Elle t'a accepté avec tes qualités et tes défauts. Pendant 7 années, sans se plaindre, elle a su prendre soin de nous comme personne d'autre. Alors si tu veux présenter des excuses, présente-les à Shyamli. Tu te souviens quand Lali nous a quittés? Ça fait justement 7 ans. Notre Lali n'est pas vraiment la mère biologique de Suman. J'ai l'impression que mon intuition s'est avérée être vraie. Ça devrait être clair comme de l'eau de roche. Tu sais, Loa, je ne sais pas quoi te dire. Ce serait merveilleux. Si tu ne sais pas quoi me dire, alors ne me dis rien du tout. C'est tout. Contente-toi de te réjouir à l'idée que notre famille sera de nouveau heureuse. C'est tout. Notre petit Mada va enfin retrouver sa maman. Et notre fils va retrouver sa femme et sa joie de vivre. Que demander de plus? Merci, mon Dieu. Je te remercie infiniment. Nous n'avons malheureusement pas encore pu identifier cet homme. Il est toujours inconscient, donc il ne parle pas. Vous allez faire une chose pour qu'on puisse l'identifier. Vous allez lui prendre la photo qu'il tient. Et vous irez tous enquêter dans les villages avoisinants. On trouvera bien quelque chose.
ne peux rien vous dire sur lui pour le moment, mais mon collègue a réussi à reconnaître la femme sur la photo. Et qui est-ce ? Une femme riche. C'est la femme du docteur, le docteur Shailendra de Chapra. Le docteur Shailendra possède un grand hôpital, un asile. Il s'occupe des problèmes liés au cerveau. Oui, Shyamli. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. Dépêche-toi d'arriver ici. J'ai vraiment besoin de te parler au plus vite. Dépêche-toi, moi je t'attends ici. Je vois, c'est ça en fait. Cette femme qui ressemble à Lali comme deux gouttes d'eau, c'est en fait la femme du docteur. Et elle est sûrement en route pour chez nous. C'est pour ça que j'ai l'impression que Shekhar va mieux. Il a été admis à l'hôpital. Et je suis sûr qu'il a dû croiser cette femme. Il y a une chose dont je suis sûr. Ce n'est pas Lali. C'est impossible. La femme du docteur et Lali se ressemblent beaucoup, c'est tout. Aussitôt que j'aurai mis la main sur cette bonne femme, j'en profiterai pour me venger de cette famille en leur faisant faire tout ce que je veux pour souffrir. Pour souffrir. Oui, c'est Ranvidiae. Je t'appelle parce que j'ai une très bonne nouvelle. Très bien. Arrête un peu de tourner autour du pot et dis-moi clairement, quelle est cette bonne nouvelle ? Quel genre de nouvelles est-ce que tu comptes m'apprendre ? Qui pourrait te mettre dans un tel état, dis-moi, Ranvidiae ? Hé ! Je t'ai demandé de m'allumer une cigarette, pas un cigare ! Va-t'en ! Allez, repars ! Oui. Doucement ! Hein ? Allô ? C'est une information qui est bien plus importante pour toi qu'elle ne l'est pour moi. Tu ne devineras jamais ce que je m'apprête à te dire. Tu vois, tu continues à tourner autour du pot, Ranvidiae. Dis-moi de quoi tu parles maintenant. J'ai d'autres choses à faire que de t'écouter. Cette nouvelle concerne Lali. Ça va te faire un choc. Je suis parvenu à trouver une photo. Une photo de Lali. On y voit Lali habillée dans un beau sari et portant tout plein de bijoux. Et Lali qui porte du rouge à lèvres. Mais je te jure que cette femme pourrait très bien être Lali. Ou alors un sosie. Je n'ai pas encore réuni toutes les pièces du puzzle. Mais pour l'instant, j'ai appris que cette femme était en fait l'épouse du docteur Shailendra de Chapra. Et j'ai aussi eu connaissance d'un petit détail qui pourrait peut-être t'intéresser. Cette femme est en route pour Bishanganj. Elle sera bientôt là. À l'heure actuelle, j'ai les mains menottées. Mais ce n'est pas ton cas à toi, donc... On y va. En route. En route. Nom de Dieu. Hein ? Même 7 ans après, on est obligé de continuer de parler de Lali. C'est pas vrai. Hein ? Hein ?
ce n'est pas elle. Mais qu'elle lui ressemble, alors c'est bon. Ce n'est pas un véritable problème. Mais s'il s'avère qu'il s'agit réellement de Lali, alors je peux te jurer devant Dieu que je saurai me venger. Il faut que je me débrouille pour savoir si cette femme est Lali ou juste son sosie. Et vite. Vous savez, Monsieur Loha, je ne pense pas que vous puissiez me comprendre. Parce que je suis le père d'une fille jeune et naïve. Pas vous. Alors quand tout le monde en ville viendra savoir que ma fille s'est enfuie de chez moi pour venir ici la nuit et que votre fils a failli... Je peux très bien comprendre le cœur d'un père, docteur. Mais je suis sûr que tout rentrera bientôt dans l'ordre. Hey, Haria! Haria! Bien, va-t'en. Monsieur Loha Singh, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ce n'est pas nécessaire de vous inquiéter, docteur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, votre chère fille, votre Suman, n'est pas seulement votre fille, mais aussi la mienne. Elle fait partie de la famille. Eh bien, pourquoi est-ce que vous me regardez de la sorte? J'ai l'intention de faire d'elle ma belle-fille. Elle va rester ici. Je veux qu'elle se marie avec mon neveu Madour. Je veux bien sûr parler de Suman. Et puis, vous savez, docteur, mon Madour est une personne extrêmement qualifiée. Il a complété ses études supérieures. Il est très cultivé. Il parle l'anglais comme si c'était sa langue maternelle. Et ce qui importe le plus, c'est que votre fille Suman aime éperdument mon Madour. Eh bien, Madour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes là-bas figé comme une statue? Est-ce que tu observes le vœu du silence, hein? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Est-ce que tu ne vois pas que le docteur s'inquiète? Pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose. Oui, mon oncle. Je veux bien accepter cette alliance. Mais on ne peut pas faire tout cela aussi vite. Il n'y a pas de mais et de si qui tiennent. Comme on dit, plus on réfléchit, plus on arrive à une mauvaise décision. Ce n'est pas la peine de vous montrer aussi perplexe, mon cher docteur. Je vous écoute, docteur. Qu'en pensez-vous? Vous seriez prêt à accepter cette demande? Eh bien, répondez, mon cher docteur. Est-ce que vous acceptez cette demande en mariage? Regardez, ces gâteaux n'attendent que votre consentement. Allez, dites oui. Régalez-vous, votre fille mènera une vie de princesse ici. Très bien, dans ce cas, j'accepte. Prenez-en. D'accord, je vais en prendre. Ah ! Ça y est, le mariage est maintenant fixé. Je voudrais en parler à Shamli et on finalisera.
Très bien, tout se passe exactement comme je l'avais espéré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que Lali arrive et franchisse le seuil de cette porte. Je vous demande de regarder attentivement cette photo. C'est Ganguilla qui me l'a envoyée. Elle veut qu'on retrouve cette fille au plus vite. Est-ce que vous avez compris? C'est bien? Allez en route, et vite! Vous êtes déjà fatigué? Allez, massez. Allô? Allô, c'est moi, nous avons retrouvé la fille. Très bien, emmenez-moi cette sorcière. Je veux la voir, hein? Je veux la voir ramper à mes pieds et me supplier d'épargner sa vie. Je vais punir cette fille, la punir de mes propres mains. Je vais l'anéantir. Emmenez-la moi dans la forêt le plus vite possible. Allez, on se dépêche. Elle aurait déjà dû être arrivée maintenant. Je n'arrive pas à la joindre. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas d'avis, docteur? Que le temps semble s'écouler lentement? Un peu trop lentement? Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça fait des heures. Alors dites-moi, docteur. Avez-vous des nouvelles de votre femme? Savez-vous où elle se trouve et quand elle arrive? Non, pas encore, non. J'essaie de la joindre. Docteur! Docteur! Badri, où est Shamli? Que s'est-il passé? Tu devais conduire Shamli jusqu'ici. Où est ma femme? Je viens de te poser une question, où se trouve Shamli? Des voyous ont kidnappé votre femme. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu et je commence à tout comprendre également. Oh, bien sûr, ce n'est qu'une simple supposition. Mais je peux comprendre cela. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Malali a des problèmes. Il faut que j'aille l'aider. Ah, écoutez, docteur, nous étions en train de couper le bois dans la forêt. Une bande de rebelles nous est tombée dessus. Ils nous ont attachés à un arbre, ils nous ont battus. Lali a été dans la forêt et elle s'est perdue. Et elle a besoin de ton aide pour s'en sortir. Alors si tu ne cours pas immédiatement à son aide, tu risques de ne plus jamais pouvoir la revoir. Il ne lui arrivera rien, Lali. Non, j'arrive. J'arrive. J'arrive.
Il faut qu'on emmène cette fille dans l'ancienne maison. Allez, dépêchez-vous. Allez, dépêche-toi. Parfait, Ganguia. Tu es quelqu'un de très rusé, tu le sais ça? Hein? Moi, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas réussi à échapper à ces chiens. Toi, tu as su te volatiliser, hein? Mais oui, bien sûr, monsieur Radvijay. En 7 ans, j'ai eu tout le temps d'apprendre quelques petits tours. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Qu'il vous suffirait de 7 heures pour apprendre tout ce que je sais ou quoi? Les gardiens de prison sont tous des gens cupides, vous savez. Je vais secouer quelques billets sous leur nez. Et ils changeront vite d'avis. Très bien. Très bien, Ganguia, c'est parfait. Je vois, c'est vraiment un excellent boulot, Ganguia. Maintenant, écoute-moi. Est-ce que cette sorcière est arrivée dans la forêt? Hé, 2 minutes, monsieur Radvijay, ne soyez pas si impatient. Elle est déjà en route en ce moment. Bien, dès qu'elle arrivera, je veux que tu t'occupes d'elle sans plus tarder. Je compte sur toi, Ganguia, ne me déçois pas. Alors? Que se passe-t-il? Je suis sur le point de tuer quelqu'un et vous vous faites l'étonner, c'est ça? Comme le dit si bien le proverbe, chassez le naturel et il reviendra toujours au galop. Tu ne fais pas exception à la règle, parce que j'ai beau essayer de te changer durant toute ta vie, Radvijay, tu restes fidèle à toi-même, et tu ne changeras jamais. Le moment où cette nouvelle est parvenue à mes oreilles, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je me suis dit que... il n'y avait que toi qui puisse tomber aussi bas que ça. Alors maintenant, laisse-moi faire une chose. Je vais t'abandonner derrière ces barreaux comme un chien enragé. Comme ça, tu ne pourras plus mordre personne. Hé, le vieux. Je ne suis pas un chien. Mais un lion, t'entends? Même dans cette cage, comme tu le dis, je ne me montrerai jamais faible. Je vais me relever. Les lions qui rugissent dans des cages sont ceux qui font des numéros dans des cirques, tu comprends? Ce ne sont pas eux les rois de la jungle. Que notre dieu Shiva soit loué. C'est pas vrai. Voilà que Loa va vouloir s'en mêler. Hein? Non. Non, avant que... tous mes efforts ne tombent à l'eau encore une fois. Il faut que j'étrangle cette fille de mes propres mains. De Dieu. Hein? Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Lali. Tu as exactement le même regard profond qu'elle avait et également le même visage. Hein? Fais-moi voir ça. Où t'as trouvé
trouvé tout ça? C'est de l'or, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité, qui es-tu au juste? Fais un effort pour te rappeler de moi. On s'est rencontrés il y a 7 ans. Est-ce que tu te souviendrais par hasard de la nuit où j'ai brûlé ta maison? C'est au cours de cette nuit-là que Loa a perdu la vue. Et ton petit garçon, tu te souviens que je l'avais enlevé? Blessure dans le fond de mon cœur. Mon cœur est toujours meurtri à cause de toi, tu sais. Et du coup, j'ai toujours eu envie de guérir cette blessure. Mais dites-moi ce que je devrais faire de cette fille, hein? Vous pensez que je dois la faire souffrir et l'anéantir pour me venger? Écoutez, madame, vous devez sûrement vous tromper, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Pourquoi est-ce qu'on m'a attachée ici? Oh, c'est vrai, tu es attachée. Désolée. Pourquoi l'avez-vous ligotée? Détachez-la! Ça suffit. Allez-y, allez boire quelque chose dehors. Je vais parler avec cette demoiselle. Je crois qu'on a des choses à se dire, hein? Alors, qu'est-ce qu'on se disait déjà? Alors dis-moi qui tu es. Je m'appelle Shyamli. Je suis la femme d'un médecin. Est-ce que tu es réellement la femme d'un grand médecin? Ou bien est-ce que tu es Lali? Tu ne me diras pas la vérité. Comment pourrais-tu le faire? Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de toi, ma pauvre. Oui. Tu vois ceci? Regarde. Là-bas dans le manoir. Tu t'étais emparé de cette faux et tu l'agitais partout comme une enragée. Est-ce que tu t'en souviens maintenant? Dis-moi. Mais aujourd'hui, cette faux se retrouve entre mes mains. C'est moi qui suis en colère. Et tu ressembles beaucoup à mon ennemi. Et quand tu ressembles beaucoup à mon ennemi, c'est sur toi que je vais me venger. Je vais te tuer sans hésiter! Je peux te le jurer, pauvre idiote!